C'était Marilyn Lecchino. Coralis est heureux de vous présenter maintenant sa toute nouvelle ligne de produits Satanique. C'est notre nouvelle ligne de produits pour le corps. Satanique. Oh, Satanique. Et l'année prochaine, c'est votre parfum qui inondera cette salle. Tant que vous aurez dans l'idée de me distribuer en grande surface, je ne m'arrête pas. Coralis vous rappelle qu'un cocktail vous est offert sur le pont Horizon. Elle te plaît tant que ça, la pouf du premier rang? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Bien que j'en ai marre que tu me ridiculises. Mais enfin, ça fait partie du spectacle. Qu'est-ce que tu voulais que j'en fasse de cette crème? Que je la refile à une vieille? Je te signale que les grosses et les moches se tartinent aussi. Acheté par une société de cosmétiques comme la nôtre n'a rien de déshonorant, au contraire. Nous sommes le numéro 2 sur le marché, en passe de devenir leader. Et notre proposition est tout à fait correcte. D'ailleurs, vous le savez comme moi. Jadis, c'est un produit de luxe. Mmh. Et je n'accepterai jamais que mon parfum se retrouve au milieu d'un sale migondi de billes pour le bain, de peau pourrie, de savonnette. Mais il ne s'agit pas de ça. Ah non? Mais non. Non, arrête de me prendre pour une imbécile. Tu me regardes plus, tu me souris plus, tu me touches plus. Et tu crois qu'en faisant cette tête-là, ça va changer? Et au moins le courage de dire que je te plais plus. Qu'est-ce qui t'arrive? Quand je t'ai connu, t'étais un vrai soleil. J'étais scotché, j'avais jamais vu une nana avec une pêche pareille. Maintenant, même sur scène, j'ai l'impression que t'es plus là. Toi, c'est dans ma vie que t'es plus là. Tu veux qu'on se sépare? Si ça peut te rendre le sourire, tout de suite. Ça y est, c'est reparti. Dis-moi que tu m'aimes. Mais arrête de picoler, ça rime à quoi? T'en as plus rien à foutre de moi. Si tu crois ça, crois-le. Du mal, hein, David. Je leur tiens la dragée haute, mais j'avance pas d'un pouce. Ça semble la grande distribution. J'en ai peur. À moins que je ne signe avec les Japonais. Ne dites pas de bêtises. Alors quoi? Oh, si vous saviez ce que je suis fatigué, David. Vous n'allez pas nous refaire un coup de déprime comme l'autre jour? Oh, non, soyez tranquille. Philippe, c'est une histoire classée. Parce que moi, les lavages d'estomac, c'est pas ma spécialité. Et aucun homme ne mérite qu'on meure pour lui, je sais. C'est ma grand-mère qui dit ça. Ben, espérons qu'elle a raison. Je vais avoir une sale tête l'autre jour sur le carrelage de la cuisine. C'est sûr que vous étiez moins en beauté que ce soir. L'air marin me donne bonne mine. C'est ici que vous rangez tous vos costumes? Ouais. Ça a l'air sympa. Vous voulez visiter? Ça y est. Ça y est. Allez, au lit. Viens au moins boire un verre. Non, je te remercie, je suis fatigué.
En plus, je crois que j'ai eu ma dose de Coralis pour la journée. Je te rappelle que c'est aussi notre voyage de noces. Tu me rassures, parce qu'entre ton boss, tes briefs, tes problèmes de packaging, j'ai cru que tu avais oublié. Arrête. Vraiment? Bravo, c'était vraiment très très bien le spectacle. Merci. Franchement, hein. Bon, allez, viens, on y va. Dessus. Je t'assure. Regarde pas comme ça, je te dis qu'elle m'a sauté dessus. On va pas en faire un drame. Tu veux plus de moi? Mais si. Tu m'as jamais aimé, Tino. Mais si. Alors dis-le moi. Quoi? Que tu m'aimes et j'ai besoin de l'entendre. Mais c'est pas vrai, je rêve ou quoi? C'est tout ce que tu trouves à dire? La première salope venue me roule une pelle et qu'est-ce que tu fais, toi? Tu te lamentes, tu pleurniches. Mais bon Dieu, révolte-toi, réagis! Engueule-moi! Tu crois qu'on peut aimer ça? Arrête, Tino! Si tu ne te voyais, ma pauvre fille, tu me fais pitié, tiens. Moi, je ne veux plus que tu m'aimes, hein? Plus comme ça. Je vais mourir, Tino. Ouais, bah c'est ça. Meurs et fous-nous la paix. Attention, vous pourriez tomber. On pourra avoir des serviettes? Mais j'y arrive pas. Oh, vous êtes glacée. J'ai tellement honte. C'est la clim. Vous pourriez baisser la climatisation, s'il vous plaît. Au minimum, madame. Ben, qu'est-ce que je vous disais? On a froid. Non, mais je vois bien que je fais n'importe quoi. Mais chaque jour, il s'éloigne un peu plus et moi, je m'accroche. Mais je peux pas accepter que les choses soient plus comme avant. Et si vous saviez comme je me dégoûte. La peur de rester seule. Ça fait faire beaucoup de bêtises. Ouais, surtout que moi, les hommes, ça n'a jamais été un perdu 10 de retrouver. On peut pas avoir quelque chose de plus fort. Catherine? Maman. C'est lui qui te l'a pris. Il est fort, hein? Faites le coup de la dame de pique. On s'est rencontrés dans un club à Djerba. J'étais en vacances et lui, il était animateur. Il m'a pris ma montre comme il fait à toutes les filles. Sauf que quand il me l'a rendue, il s'est passé quelque chose de fort.
pour les deux. Et alors après, on s'est plus quittés. Et il y a longtemps? Ça fera 3 ans cet été. On s'est mariés presque tout de suite. Et il avait besoin de la nationalité française. Peut-être. Mais je pense qu'il m'aimait aussi. On s'est mariés à l'ambassade de France à Tunis. Vous auriez vu la tête de mes parents. Le géo et l'expert comptable. Parce que j'étais expert comptable avant. Ça n'a pas vraiment de rapport avec l'animation du club. Ah non. À part compter les points au Scrabble. Quand on a monté le numéro, j'étais folle. C'était super. On s'est promené dans toute l'Europe. L'année dernière, on est même allé en Chine et au Mexique. Qu'est-ce qu'on a pu rire? On ne va pas foutre en l'air tout notre plan marketing pour ce Gugus. Mince, ça a coupé. Il faudrait penser à me changer cette merde. Il est grave, Pépère. Hein? Insupportable. David, mon co-auteur. Bonsoir. Bonsoir. Bravo pour le spectacle. Hein? Merci. Vous savez qu'il m'a encore relancé pour la jaquette du livre? Il veut absolument qu'on mette Coralie sans bandeau. Il rêve. Faudrait d'abord que je signe son contrat. Bon, alors pour demain, qu'est-ce qu'on fait? Ben, 10 heures à la piscine. Ça vous va? Très bien. Parfait. Bon, bah, bonne nuit. À demain. Allô? Ah, mince, ça a coupé. Il faudra absolument me changer cette merde, hein? Vous écrivez un livre? Oui, je raconte ma vie. Une lubie d'un ami éditeur. Il me prend pour une aventurière. Il est vrai qu'avec Jadis, j'en ai vu de toutes les couleurs. Parce que Jadis, c'est vous? Et c'est moi qui ai décidé de vendre le bébé à ces marchands de savon, là. Comment ça? J'étais plus dans la course, alors j'ai préféré prendre les devants. Sauver la société, le parfum et les 60 salariés qui vont avec. Vous avez toujours eu cette frange? Oui. Vous devriez la couper, ça vous dégagerait le visage. Ah non, mais c'est parce que Tino aime bien quand j'ai la frange. S'il aimait la barbe, vous la laisseriez pousser? Bon alors, rouge, noir et rouge, ok? Voilà. Elle est où? Celle-là. La noire, perdue. Je suis désolée pour tout à l'heure. Pas tant que moi. Hey, y a d'autres mecs, hein? Bon alors, rouge, noir et rouge. Si, 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 ça, je vous raccompagne. Le temps de prendre un chalet, je suis à vous. Si je vous saoule, faut le dire. Oh, je suis si heureuse d'être avec vous, vous pouvez pas savoir. Pour tout vous dire, sur ce bateau, depuis 3 jours, je rencontre que des extraterrestres. Ah non, ça n'est pas celle-là. Ah voilà, c'est là. Voilà. Si vous voulez jeter un œil. Gigantesque. Ils veulent me faire signer, alors ils ont pas loué un chalutier. Oh non, mais c'est incroyable. On dirait pas qu'on est sur un bateau. On se croirait au cinéma. Oui. Sauf qu'ils ont oublié de livrer le jeune premier. Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir une suite comme ça pour ma nuit de noces. Et moi, donc. Mais pour nous, maintenant, on fait chambre à part. Quand on travaille, et on travaille tout le temps. Ah bon? Alors, vous êtes en single? Ouais, Tino préfère. Pour sa concentration. Ah. Ben, si ça vous fait plaisir, vous pouvez passer la nuit ici. Hein. C'est pas la place qui manque. Oh non. Non, non, je vais y aller. Il est marrant, Paul. Elle ne veut pas que Jadis aille en grande distribution. Elle veut pas. Tu peux débrancher 2 secondes, toi. T'es drôle, toi. Il est capable de me faire sauter pour un truc comme ça.
Ah oui. Eh ben, en attendant, Madame Doléant, je pense que c'est moi qui vais le faire. Ça vous va, les oreillers? Parce qu'il y a des traversins, hein, si vous préférez. Non, non, c'est bon. Ça me fait tout bizarre d'être là. Demain, vous essaierez le jacuzzi. Dora, je voudrais vous dire... C'est moi qui vous remercie. Bonne nuit. Bonne nuit. Tout ça, c'est parce que je mesure 1m32. Alors là, vous n'y êtes pas du tout. Je crois que c'est des fruits de mer. Qu'est-ce que tu fais? Je me sens vraiment pas bien, hein. Je vais dormir là. Tu prends ça et tu rentres chez toi. Mais je t'assure, je me sens partir. Eh ben pars. La température extérieure est de 27 degrés, la température de la mer est de 21 degrés, et la piscine nous attend sur le monde étant à 24 degrés. Marilyn, il est 9h. Vous venez petit déjeuner? Déjà? Faut profiter du matin, c'est le meilleur moment de la journée. Dépêchez-vous, hein? Je vous attends au buffet. J'arrive. Voilà! Vous aimez les œufs brouillés? Vous allez voir, ils sont formidables. Puis regardez-moi ce buffet. C'est superbe, non? Un petit peu de cornflakes. Vous savez que je me suis fait du souci, moi, ce matin. Je me demandais où vous étiez passé. Hein. C'est pas bien de me fausser compagnie comme ça. Ah, j'avais dit de prendre un traversin. On dort mal sur ces oreillers. Ils sont tout à plat d'abord. Venez. Vous prenez du thé, du café? Du café. Bon, du café. Voilà. Et voilà. Et du sucre? Non, merci, pas de sucre. Vous avez raison, ça va grossir. Venez, j'ai réservé une table face à la mer.
L'air marin le matin, ça a quelque chose de vivifiant. Hein? Très pas? Ah, si je me retenais pas, je piquerais une tête. Ah, l'eau de mer, c'est excellent pour la santé. Le froid aussi, d'ailleurs. Catherine Hepburn se baignait tous les matins dans un lac glacé. Heureusement, j'en ai pas un près de chez moi. Vous devriez goûter la confiture de figues, elle est délicieuse. Mais vous n'avez pas pris de croissant. Je vais aller vous en chercher un. Merci, Dora, je mange jamais le matin. Ah? Ah bon, vous avez tort. Enfin. Voyez vos cheveux. Avec un petit dégradé, ben, ça serait beaucoup mieux. Dora, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai taché votre chemise cette nuit. Oh, j'en ai d'autres. Ah bon, là, j'y vais. 10 heures à la piscine. Le travail m'attend. Vous venez nous rejoindre, hein? Oui, oui. Venez vite. Ce bouquin m'assomme, vous pouvez pas vous imaginer. Alors au moins, quand vous serez là, j'aurai une bonne raison pour travailler. À tout de suite, hein? Ok, mais baissez cette torche. Non, faut pas qu'on me voie. Baissez cette torche. Je suis toute seule. Non, faut pas qu'on... C'est bon. Donne-moi la torche. Donne-moi. Voilà. Voilà, c'est bon. C'était une des premières fois que je rencontrais Castro. Il commençait tout juste à me faire la cour. Il a débarqué à l'ambassade, en treillis, devant tout le gratin. Avec son barreau de chaise, comme ça, entre les dents. Ah, ce qui m'en a provoqué comme mot de tête, ce truc-là. Et là, dans un silence de mort, il a dit... Qu'est-ce qu'elle peut bien fabriquer? Qui? Marilyn. Castro avait rendez-vous avec Marilyn Monroe? Hein? Mais qu'est-ce que vous racontez? Pas du tout. Faut quand même pas une heure pour mettre un maillot de bain. Bon, eh ben, quand vous serez disponible, vous me ferez signe, hein, Dora. Oh non, David. Mon petit David, soyez gentil. S'ils me trouvent, ils vont me renvoyer. Qui c'est, ils? Les gens du bateau. Mais t'as ma saigne. Allez, viens, je vais te soigner. Non, non. Faut pas qu'on me voie. Mais tu peux pas rester comme ça, ça va s'infecter. Je m'en fous. Je préfère me foutre en l'air que de retourner là-bas. Mais c'est où, là-bas? Je suis sur le bateau depuis hier soir. Je vais rentrer en France pour retrouver ma mère. Jadis, au milieu des mousses à raser et des dentifrices, vous m'excuserez, on peut rêver mieux. Dora, je vous assure, vous faites une fausse idée de la grande distribution. Vous savez, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était. On aménage des espaces spécifiques. Le produit ne sera pas du tout dévalorisé, au contraire. Ben non, vous ne me ferez pas avaler ça. Vous n'avez pas vu Marilyn en venant? Vous savez, la femme du magicien? Non. Ben où elle est? Votre attention, s'il vous plaît. Monsieur Campana est demandé à l'information. Et tu l'as jamais revue? Non. La dernière fois, c'était la veille des vacances. J'avais 12 ans. J'entends encore sa voix dire à mon père: n'oublie pas son sirop, elle a mal à la gorge. Je passais toujours les vacances avec mon père puisqu'ils étaient séparés. Cette fois-là, il m'a pas ramenée. Comment ça, il t'a pas ramenée? Non. Depuis, je vis en Turquie.
Maman a tout essayé pour me faire revenir en France, mais ça n'a jamais marché. Mais pourquoi il fait ça à ton père? Mon père. Il est devenu fou. Il n'a jamais supporté que maman le quitte. Depuis, c'est moi qui traque. Ta main ressaigne beaucoup, là. Je vais chercher de quoi te soigner. Non. Si, t'inquiète pas. Je taperai 3 coups en revenant, d'accord? Comment tu t'appelles? Gina. Moi, c'est Marilyn. Bouge pas. Il faut absolument que je vous montre l'espace parfum qui a été créé dans un magasin pilote à Biarritz. Vous allez voir, c'est superbe. Regardez. On est quand même loin de l'étalage à 4 sous. Tous les grands sont là. Vous serez vraiment en bonne compagnie. Il y a bien un téléphone au bord de la piscine. On vous m'excusez. Allô? Adora, excusez-moi, je me suis endormie. Marilyn, je vous entends plus. Non, c'est rien. Tout va bien. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il ne vous a pas fait des ennuis au moins? Non, il est malade. Vous voulez que je vienne? Non, c'est bon, je me dépêche. À tout de suite. Alors, je vous attends à la piscine, alors. D'accord. On appelle ça de la boulimie. Ça ne mange rien et puis après, ça boulotte entre les repas. Et après, qui c'est qui ramasse les miettes dans les cabines, hein? Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça ira. Mais ce serait plus raisonnable de voir le médecin de bord. T'es bouchée ou quoi? Personne doit savoir que je suis là. Sina, sur ce bateau, on est en France, il y a des lois quand même. Pas pour mon père. Il est au-dessus de ça. Une fois, en avion, j'ai déjà essayé de revenir. En arrivant à Roissy, j'ai rien compris. Il avait son avocat. Il a discuté. J'ai passé 1 heure en transit. J'ai même pas vu ma mère. Et il m'a ramenée en Turquie. Et ça, c'est cadeau de mon père, pour apprendre le respect. Alors moi, les lois, je veux plus entendre parler. Zina, je suis sûre que le commandant peut nous aider. Ni le commandant, ni toi, ni personne. M'aider, c'est oublier que tu m'as vue, ok? Je me débrouille très bien toute seule. Ça fait 12 ans que je vis avec des dingues. J'ai survécu. Allez, dégage! Mais dégage! Ok, ok. Je te préviens. Si tu parles à quelqu'un, je te tue. Vous avez mis le temps. J'ai eu une matinée un petit peu agitée. Hein? Dino va mieux? Oui, oui. Ah, elle est bonne, ça fait du bien. Ah. Ne jouez pas les Saint-Bernard, mon petit. Dino est bien assez grand pour se soigner tout seul. D'abord, les hommes ont horreur qu'on les materne, c'est pas vrai? Absolument. D'ailleurs, avec moi, Pascal ne craint rien, je lui donne toujours l'impression que je m'en fiche. Du coup, il est comme un fou. Ah, ça fait 15 ans que ça dure. 15 ans? Bah, je vous croyais en voyage de noces. Ah oui, on vient de se marier, mais on se connaît depuis la seconde. Et il est comme ça depuis la seconde? Ah ben, bravo. Vous voyez, Marilyn? Ah, dis donc, Corinne. J'ai jeté un œil sur ton descriptif des translucides, c'est pas clair. Évidemment, pour des translucides, c'est gênant, oui. Tout va bien, Madame Cotenza? Oui, oui. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Oui. Excusez-moi. Allô? Il a l'art de me crisper, ce type. Mais il est crispant.
David. David. Hein? On en est où avec la jaquette du livre? Avec? La jaquette du livre. Il faudrait déjà qu'on ait un livre. Pour l'instant, on a plutôt une nouvelle de 20 à 25 pages. C'est fou quand même ces histoires d'enlèvement d'enfants dans les mariages mixtes. Non, c'est parce que j'ai lu une revue hier et depuis ça me turlupine. C'est même incroyable ces histoires de séparation, non? Tiens, voilà du monde. Surtout, vous ne bougez pas. Vous vous êtes disputé? Un peu. Valentine a disparu. Quoi? Ben ouais. C'est la colombe. Ça s'est passé quand? Je sais pas. Je l'ai sorti pour nettoyer la cage, j'avais pas fait gaffe, le hublot était ouvert. Je suis désolé. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je fais que des conneries. Ça, tu peux le dire. On peut répéter cet après-midi? Non. Aréline. Qu'est-ce qu'il y a, Marilyn? Je vous sens préoccupée. Non, non. C'est Valentine. Oh non, pauvre bête. Vous avez peur de le perdre, hein? Je sais pas. Enfin, je sais pas. Croyez-moi, les hommes, plus on les aime, plus ils ont envie de fuir. C'est en vous éloignant que vous aurez une chance de le récupérer. Peut-être. Si, faut pas vous sous-estimer, Marilyn. C'est lui qui a la veine d'être avec vous, pas l'inverse. J'espère que vous avez raison. Mais il y a de la place. On peut se mettre avec vous? Bien sûr. Allez. Marilyn, un petit ponche? Allez, deux. Trois. Je me sens en pleine forme, moi. David? Quatre. Oui. Vous permettez? Oh non, 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 excusez-moi, vous pouvez pas vous mettre là. Nous attendons Dino. On se voit tout à l'heure, alors. C'est ça. S'il mange avec nous, il va me couper l'appétit. Je peux? Oh non, je suis désolée, monsieur Cariou vient de retenir la place. Ah bon? Bon appétit. Merci. Vous y allez un peu fort, non? Faut savoir ce qu'on veut. Ouais, bah vous auriez pu me demander mon avis. Votre attention, les inscriptions pour la visite de Palerme se termineront à 18h. La vostra attention, les belles cortesia. Et ça, c'est Cariou. Ah oui. Ah oui, c'est tout à fait ça. Mais il devrait avoir le nez en forme de portable aussi. Ah oui, excellent. Mais qu'est-ce que c'est ce petit chien qu'il suit, là? Ah bah ça, c'est Corinne, c'est ma femme, vous l'avez pas reconnue? Ah, ouais. Je rêve. Bon, excusez-moi, je vais me reposer. Moi aussi. Il faut que je vous donne les crèmes dont je vous ai parlé. Vous n'oubliez pas notre rendez-vous chez le coiffeur, hein, Marilyn? D'accord. À 15h. D'accord. À 15h. Donc, on va encore rien faire, cet après-midi. Bon. On se retrouve au golf? Eh ben, on se retrouve au golf. Je peux? Oh, mais avec plaisir. Ouh, j'adore ces petits fours. J'avais remarqué que vous les aimiez beaucoup. Merci. Alors, madame Cotenza... Nos affaires. Je réfléchis. Ah. J'ai beaucoup discuté avec Corinne ce matin. Et je crois que j'ai trouvé la solution. J'étais sûr qu'on finirait par s'entendre. Voilà. Je ne vends ni aux Japonais ni à vous. Et qu'est-ce que vous faites? Je reprends les commandes. Comment? Oui, parfaitement.
Je retrousse mes manches et je mets la tête dans le guidon. Tenez. Merci. Il est beau ce bouquet. Oui, ils sont pas fichus de nous. On a failli pas l'avoir, il l'avait mis chez Dora. C'est elle qui nous l'a rapporté. Bon ben merci encore. Mais de rien. Si vous en voulez d'autres, vous n'hésitez pas. À plus tard. Écoutez-moi, monsieur Cario. Ça fait 6 mois qu'on tergiverse. Alors il fallait bien mettre un terme. Et je crois que c'est mieux pour tout le monde. Les banques vont me suivre, comme elles l'ont toujours fait. Et Jadis continuera sa route, comme je l'entends. Dora, vous ne pouvez pas faire ça. Mais si, Paul. Quoi, madame? C'est parce que j'en cherche une et je la vois pas, là. Ah, une chaise avec 2 lattes fondues, vous dites? Oui, mais... Non, mais j'ai dû me tromper. Excusez-moi. De l'ombre, faire quelque chose de très très bien. Ah oui, parce que cette frange là, hein, c'est sinistre. Oh Marie, si vous aviez vu sa tête, rien que pour ça, je regrette pas de l'avoir fait. Alors, je dégrade bien dans la masse, mais je file pas trop les pointes. Non, déjà que son cheveu est fourchu. Oh, j'ai retrouvé mes 20 ans. Non, mais c'est vrai, l'argent, ça se trouve. Je vais appeler Schoenberg. Oh, je me sens prête à bouffer du lion. À l'avenir, évitez de vous couper les cheveux toute seule. Mais c'est ce que je me tue à lui dire depuis 2 jours. Bon, et alors, pour la couleur, qu'est-ce qu'on fait? Bon, écoutez, vous me fichez la paix, vous arrêtez de me tripoter, ça me file mal à la tête. Il fallait le dire. Ben, faudrait pouvoir. Vous arrêtez pas de parler. Mes cheveux, ils sont comme ils sont, mais c'est comme ça que je les aime. De toute façon, vous êtes toujours après moi, j'en peux plus, j'en ai marre, j'ai besoin d'air, là. Je suis désolée. Oh, c'est pas grave, je vais vous faire un petit brush à la place. D'accord. Elle ne trouvera personne pour la suivre. T'as vu le bilan? Corinne, arrête de discuter pour l'instant. Elle ne signe pas. On pourrait rallonger la sauce. C'est déjà fait et ça n'a pas suffi. Non, non, faut sortir de ce merdier. Oh, je me suis mouillé jusqu'au cou pour acheter cette putain de marque. Maintenant, j'ai tous les actionnaires sur le dos et je n'ai pas l'intention de sauter à cause de cette folle. Attends, mais c'est du bluff. Elle ne tiendra pas. Arrête avec ta psychologie de bonne fin. Tu sais combien ça nous a coûté, cette petite plaisanterie-là? Toi, les 20 ans de la boîte? Si on n'avait pas eu Cotenza, les 20 ans, on les fêtait sur une péniche à Nogent. Alors on fait quoi? Ben justement, je te le demande. Et c'est pas dans 6 mois qu'on a besoin de Jadis, c'est maintenant. Vu? Schoenberg,
Oui, pardon, excusez-moi. C'est ça, Schoenberg. Vous pouvez pas me dire ça. Un bilan, on leur fait dire ce qu'on veut au bilan. Hein? Avec 5 millions, ça passe. Enfin, ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble, quand même. Est-ce que vous voulez me dire par là que votre banque me lâche? Très bien. Quel con, celui-là. Salut. T'es toute seule? Oui, et je tiens à le rester. La prise du club doit être souple mais ferme. Qu'est-ce qu'il y a, Dora? Ça va pas? J'ai connu journée plus faste. Vous avez eu Schoenberg? Oui, et pas que lui. Et alors? Et alors, je suis très vieille, David. Bonne pour la casse. Bon, je vais chercher mon ordinateur. On va se remettre au travail. Non, surtout pas. J'ai besoin d'être seul. Allez, pas de démobilisation pendant le cours. Oui, continuez. Je vais me mettre un peu à l'abri. Il manquerait plus que les embruns me fassent rouiller, ça serait complet. Alors, les bras bien tendus. Ouais. Mais les mains fermes autour du manche. D'accord. Mmh. On y va? On ne quitte jamais la balle des yeux. Dora, vous savez combien je vous admire. Je peux pas vous laisser faire ça. Depuis le début, je vous ai vu vous battre pour votre boîte, pour vos salariés. Ça a été un sans faute. Alors là, je comprends plus, vous allez tout perdre. On a besoin de vous, Dora. D'accord, mais vous aussi, vous avez besoin de nous. Et ce n'est pas humiliant que de le reconnaître, au contraire. Tout n'est pas à vendre. C'est vrai. C'est vrai, mais quoi qu'on fasse, il y a toujours un prix à payer. Et là où vous allez, c'est beaucoup trop cher. Je suis la seule à en juger, non? Oh, croyez-moi, Dora, ne coupez pas les ponts. On va trouver un terrain d'entente. Il est vrai qu'on n'a pas encore débarqué. Tout est encore possible. On va en discuter. En tout cas, demain soir, on compte sur vous pour dire un petit mot. Tout petit, hein? C'est important pour l'anniversaire de Coralis. Surtout si on doit fusionner. Rien n'est fait, hein. J'ai bon espoir. Dora? Mmh. Ah. Qu'est-ce que vous faites là? Ouf. Je passais par là avec une chaise. J'en ai eu marre de la porter, je me suis assise dessus. Allez, vas-y. Pardon. Merci. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Oh, il y a du monde dans votre frigo. Hein? Oui, ça me rassure. Dora, excusez-moi pour tout à l'heure, mais j'ai des soucis. Oh, moi aussi. Tiens, tout compte fait, donnez-moi une. Merci. Vous avez eu raison de m'envoyer promener tout à l'heure. C'est vrai, quelquefois, je suis trop. Too much, comme on dit maintenant. Dora, je voudrais vous dire quelque chose, mais j'ai promis de pas le dire. Eh ben, ne le dites pas, on n'est pas obligé de tout dire. Puis on a tout le temps, non? Oui, bien sûr. Allez, à nous. Ça dure depuis longtemps? Le coup dure longtemps? Oui, un certain temps. On va essayer de changer tout ça, hein? Qu'est-ce que vous diriez d'un peu de shopping et d'un gros gâteau au chocolat? On peut commencer par le gâteau au chocolat? Ah oui! Avec de la chantilly? Oui! Le genre bien écœurant, hein? Vous êtes sûre, Dora? Mais oui, je suis sûre. C'est pas trop? Oh non, comment ça trop? Faut que vous soyez splendide. Oui, mais je pourrais jamais vous remercier. Mais si. Mais en étant là, en étant heureuse, en riant, vous pouvez pas savoir le bien que vous me faites. Ah! Donc, on se voit après? Oh, j'ai pas le temps. Puis nous avons un de ces programmes, hein?
Oui, on est en train de jouer à Cendrillon, mais on n'a pas trouvé de carrosse. Bon, alors en attendant, on y va. Hein? Allez. David, vous savez pas, on peut acheter des citrouilles. J'y crois pas, j'ai gagné. Oh, bravo, bravo, Marie. Bravo. On a perdu. Ouais. Combien j'ai gagné? Numéro plein, 36 fois 7002. 7000? En plein, ah, 7002. 7200 francs. Oh, j'y crois pas. Elle m'étonne, votre femme. Si toutes nos commerciales avaient cette pêche, on en vendrait du Coralis. Ouais. Ça faisait un sacré moment que je l'avais pas vu comme ça. La même chose, s'il vous plaît. Le 10 et le 14 et le 17 encore. Elle est étonnante. Je vais vous dire, moi, je la vois grande. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est Marilyn. Cette fille, moi, je la trouve lumineuse. Pourquoi t'as fait faire ces photos? Si on finit par avoir Jadis, c'est elle qui va faire la campagne de pub. Tant t'as pris un coup de soleil? On cible une clientèle large et variée, t'es d'accord? Oui. Le côté confiné du Faubourg Saint-Honoré, c'est pas notre truc. J'en ai marre des silhouettes éthérées au bord de l'anorexie pour représenter nos produits. Je veux du neuf, de l'inattendu, du gonflé. Non, Dora avait raison. Nos deux dernières campagnes étaient ringardes. Faut avoir plus d'impact que ça. Tu crois pas que c'est un peu risqué? Je prends le pas. Allô? Tu vas visiter Palerme avec les autres? Oui. D'ailleurs, faut que je me dépêche parce que je vais être en retard. T'étais superbe hier soir. Aujourd'hui aussi, d'ailleurs. Merci. C'est vrai que c'est assez sympa, cette nouvelle coiffure, non? Fais charger ton appareil. Non, c'est bon, c'est fait. Tu veux de la confiture de figues? C'est à tomber. Tino, je crois que t'as raison. Je t'aime trop. Enfin, pas comme il faudrait, quoi. Je suis toujours après toi, c'est normal que ça t'agace. Mais moi, quand j'aime, je suis comme ça, Puis c'est vrai que je suis jalouse. Mais on se refait pas. Remarque, t'es pas toujours blanc-blanc.
Je suis désolé pour... On n'en parle plus. T'as changé de parfum? Oui. Je change en ce moment. Je vais chercher mes affaires et je te rejoins. Ah non, je préfère pas. Tu m'en veux pas de te dire ça? Non. Bon, bah j'y vais. Bonne journée. Ouais, toi aussi. Oh, vous allez voir, c'est splendide. Oh. Mais vous n'avez pas beaucoup de chapeau. Ah, moi, il y a 2 ans, j'ai attrapé une insolation, hein. Alors, cette fois-ci, j'ai pris de l'aspirine, une casquette, c'est... Ah, ben, je vous la prêterai puisque j'ai mon chapeau. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Oui, oui. J'ai parlé à Tino. Vous n'avez pas pu vous en empêcher, hein? Non, mais je lui ai demandé de rester sur le bateau. C'est déjà ça. Mais... Non, Dora, vous êtes gentille, mais cette excursion m'a épuisée, je vais aller me reposer un peu. Ah, vous voyez, vous n'avez pas voulu mettre ma casquette, hein? Et vous avez pris un coup de chaud. Dora, j'ai besoin d'être tranquille un moment, vous pouvez comprendre ça, non? Qu'est-ce qu'il lui prend? Elle a envie qu'on lui fiche la paix. Votre attention, oh, vous voyez? Quelquefois, on se demande si vous le faites exprès. Quoi? D'être maladroite. Aujourd'hui, avec cette histoire de casquette, vous avez été carrément... Oui, c'est ça, chiant. Bah, dites-le. Bah, ouais. Vous êtes en train d'épuiser cette pauvre fille. Comme vous épuisez tous ceux qui vous approchent, d'ailleurs. Sur ce, moi, je vais faire un petit plongeon. J'ai dit oui. Oui. Ah, j'écoute. Votre attention, s'il vous plaît. Je vous rappelle. Départ du bateau. Marilyn. Oui. Je peux vous parler 2 secondes? J'allais me reposer, là. Oui, mais ce que je vais vous dire va vous requinquer. Vous plaisantez? Je n'ai jamais été aussi sérieux. Si vous acceptez, je suis sûr qu'on peut faire un carton. J'y crois pas. J'y arriverai jamais. Bah, t'es bien monté sur scène. Tu préfères lequel? Ça se trouve, ça se fera pas. Pourquoi? Puisque c'est Cariou qui te le propose. Faudra faire gaffe au contrat. C'est en requin, celui-là. Tu me le feras lire, hein. Tino, je sais lire. Oui, oui, bien sûr, c'est pas ce que je voulais dire. Mais bon, il faudra verrouiller. Bon, je mets lequel? Tu mets celui que tu veux. Et tu fermes la porte en partant. Merci. Merci beaucoup. Mais pourquoi vous m'en avez pas parlé? De quoi? De cette idée pour la campagne de pub. Vous pensez vraiment que je vais faire l'affaire? L'affaire? Oui. Vous avez convaincu Cariou. Il dit que ça va cartonner encore plus qu'avec un mannequin traditionnel. Ah. Ah bon?
Dora, hein? Venez, ça va être à vous. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette idée saugrenue de publicité avec Marilyn? Inédit, non? Elle vous a dit? Vous qui nous trouviez trop conformistes, là, on fait fort. Surtout, vous tapez à côté. Pardon? Jadis, ça a une image, une clientèle. Ça fait 40 ans que j'y travaille. C'est pas la peine de rouvrir des négociations pour me balancer des idées aussi grotesques. Avec de pareilles propositions, vous pouvez rester chez vous, non? Mais je croyais que l'idée vous séduirait. Mais enfin, c'est nul. On fait pas rêver avec une naine. Marilyn! Marilyn, c'est pas ce que je voulais dire. Oui, mais vous l'avez dit. Je me suis mal exprimée. Je suis désolée. Vous avez tort, ça fait toujours du bien de dire ce qu'on pense. Mais je ne pense pas ça. Oh que si, vous le pensez. Vous avez peur que je ternisse l'image de votre parfum, c'est ça? À partir de quelle taille a-t-on l'extrême honneur de pouvoir porter jadis? Écoutez-moi, ma petite fille. Mais arrêtez avec votre maternalisme écœurant. Ça fait 3 jours que vous me serinez que je suis belle, attirante, pleine de charme. Mais faut pas mélanger les étiquettes, c'est ça? Il y a une limite à pas franchir? Vous êtes en toc, Dora. Vous brillez à l'extérieur, mais vous êtes nulle à l'intérieur. Vous pouvez vous moquer de Tino, mais vous lui arrivez pas à la cheville avec vos grands airs. Parce que lui, au moins, il a jamais eu honte de moi. En fait, finalement, je sers à quoi dans votre vie? Je suis quoi? Je suis une poupée que vous habillez, que vous tramalez à droite et à gauche. C'est quoi votre problème? Je sais. En fait, je suis votre bonne conscience. Je suis votre pauvre. Ou alors, je suis le bébé que vous avez jamais eu. Marilyn, vous savez bien ce qui me lie à vous. Arrêtez votre baratin, vous êtes liée à personne. La seule personne qui intéresse Dora, c'est Dora. Ah, Dora, ça va être à vous. Je vais me faire quelque chose d'épouvantable. Félicitations donc à la région Bretagne, où contre toute attente, nous avons pulvérisé notre chiffre d'affaires, maquillage et soins confondus, par rapport à l'année dernière. Bravo. Oh, dans ce milieu, on fonctionne tous sur des stéréotypes. C'est normal que l'idée de Paul vous ait cueilli, mais même moi. Non, fais pas ça, fais pas ça. Mais moi, je l'ai fait. Je suis qu'une vieille bonne femme, dure, sèche, égoïste. Et pourquoi est-ce que je passe ma vie à faire du mal à ceux que j'aime? Alors évidemment, après je me retrouve toute seule. Allez, allez, venez Corinne, on nous attend. Je vais faire semblant comme d'habitude. Ça fait 40 ans que j'en vends. Permettez-moi maintenant d'accueillir celle qui a su, toute sa vie, honorer de son charme le parfum français. J'ai nommé notre très chère Dora Cotenza. Très cher, Monsieur Cariou a raison. Je suis une fiancée qui coûte une fortune. J'aurais dû prévenir le médecin. Je vous en prie. Je vous en prie. Allô, j'écoute. Allô.
Zina. Marilyn, on peut pas continuer comme ça, il faut que je vous parle. Entrez, Dora. Hein? Mais elle est brûlante. Faut appeler le médecin. On peut pas, Dora. Sinon, je l'aurais fait depuis longtemps. On est en train de faire n'importe quoi. Ça fait deux jours que je me répète la même chose. Oh là là, mon Dieu. C'est complètement dingue ce qu'on fait. Ça va? Ouais. Ça va, vous? Bon. Allez, chez moi, on sera plus à l'aise. Venez, je prends ma clé, là. Mais si dans deux heures, la clé n'a pas fait effet, eh ben, il faudra demander de l'aide. Allez, venez. Dépêchons. Qu'est-ce qui m'a fait peur? Ah, la fièvre, c'est toujours impressionnant, hein. Mais la quinine, c'est radical. On en donne pour le paludisme. C'est à Cuba que j'ai commencé à en prendre. Si vous savez ce que j'ai honte pour tout à l'heure. Je veux pas en parler, Dora. Merci de m'avoir aidé pour Zina, mais pour le reste, je veux pas en parler. Je suis tellement désolée. Moi aussi. J'ai accepté de signer pour jadis. C'est bien. Vous allez être obligée de porter mon parfum. Et sincèrement, j'en sais. Non, non, non. Vous pensez qu'elle va dormir longtemps? Ah ben, elle devrait finir la nuit. Les cours de gymnastique aquatique auront lieu dans la piscine du Ponte Passeggio. Les lezioni di ginnastica acquatica si faranno nella piscina del Ponte Passeggio. Marilyn? Elle a bu tout son jus de fruits. C'est pas encore la grande forme, mais c'est déjà mieux. Je préfère la voir comme ça. Regardez ce que j'ai trouvé, une photo d'elle avec sa mère. Elles se ressemblent, non? Oui, oui. Marilyn, il va falloir être raisonnable maintenant. Je crois que le mieux, ce serait d'avertir le commandant. Avertir le commandant? Bah oui. On arrive demain. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'elle? Ah, vous, je sais pas, mais moi, sûrement pas. Bonjour. Bonjour. Je suis désolé, mais je me demande si elle n'est pas malade. Ah non, elle est pas là. Elle a dû se lever tôt. Votre service, monsieur. On l'a pas vu ce matin. On n'a pas vu Dora non plus. Merci. Vous n'avez pas vu Paul? Personne n'a vu personne ce matin. Qu'est-ce que tu fais? Un clin d'œil. Non, Marilyn. Pas mal. Ça te plaît? Toi aussi, tu me plais. Tu me plais même beaucoup. Ils vont la réexpédier chez elle, voilà ce qui va se passer. Mais non. Le commandant est un homme sensé, il sera apprécié. Mais pas du tout, ils ont déjà fait le coup une fois. Et Dora, c'était pas la peine de la soigner si c'est pour lui faire ça maintenant. C'est n'importe quoi. Non mais attendez, Marilyn. On sait même pas si son histoire est vraie. C'est quand même un passager clandestin. Et alors? Allez, on y va. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est mon problème. Ça va aller? On va où? J'ai une petite idée. Non mais attendez! Attendre quoi, Dora? Est-ce qu'une fois dans votre vie, vous avez été capable de prendre un risque? Oh, j'ai passé ma vie à ça. Eh ben, on dirait pas. Vous voulez bien qu'il pleuve, mais vous voulez pas être mouillé. Ah putain, sur moi. Mais vous n'allez pas partir comme ça! Vous avez une autre idée? La vraie liberté, Dora, c'est quand on n'a plus rien à perdre, et c'est mon cas. Faut pas qu'on nous voit. Oui, dans le jardin d'aperçu, faudra prendre quelqu'un d'autre. Allez, vas-y.
transparent. Pour le projet avec Marilyn, vous êtes au courant? Bien sûr. J'espère que vous n'allez pas être un agent trop gourmand. Venez. Voilà, ça devrait être suffisant pour respirer. Le double fond, c'est pas très confortable, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Pourquoi tu fais tout ça pour moi? On se connaît pas? On se bat pas pour la même chose, mais on se ressemble. C'est la première fois qu'on prend soin de moi depuis des années. C'est tellement doux que ça fait mal. Bon, j'y vais, là. Tu bouges pas jusqu'à mon retour. Ils mettent le matériel en soute ce soir, je serai là. Et t'inquiète pas, ça va marcher. Donc, dans les grandes lignes, nous sommes d'accord. Dites-moi, pour notre convention du mois de mai à Marrakech, je peux compter sur vous? Pas de problème. Alors, santé. Santé. Non, madame, mais il n'y a aucun souci. Vous le récupérerez immédiatement après avoir passé la douane. Parce que, bon, vous ne saviez peut-être pas, mais les magiciens ont horreur de séparer de leurs accessoires. Merci quand même. Je vous en prie. Mais Dora, cessez de toujours vous demander si vous avez bien fait ou mal fait. Vous avez fait, point final. Alors vous oubliez cette fille deux secondes et vous me dites ce que j'écris. Je suis quand même pas un monstre. Mais évidemment que non. Bon, votre relation avec le général de Gaulle, on en parle ou pas? Bof. Je suis fou là. Non, laissez-moi. Calme, je suis Tino, je suis mari de Marilyn. Je ne veux pas te faire de mal, je suis Tino. Je suis le mari de Marilyn. Je suis le mari de Marilyn. Ça va? C'est marrant, votre truc. C'est juste deux, trois coups de crayon. Hein. Alors, vous êtes dans la bande dessinée, vous? T'as pas remarqué, il gratte toute la journée? Non, parce qu'avec Marilyn, on sort des normes, mais avec la campagne de pub, va falloir que ça suive. Vous ne vous rendez pas compte, Marilyn, du boom que ça va provoquer? Ils vont être sur le cul. Vous savez, dans notre métier, les idées marketing, ça vaut de l'or. Oui, mais je suis plus sûre d'avoir très envie de le faire. Vous plaisantez? J'ai déjà tout réglé avec votre mari. Pourquoi? Je suis pas assez grande pour que vous m'en parliez directement? Si. Mais je croyais que... Oui, ben la prochaine fois, vous adressez à moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'en occupe. Ils sont très jolis, vos dessins. Merci. Ben pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Ah non, Marilyn! Marilyn! Marilyn, attends! Pas ce que tu crois. Fous-moi la paix, tu respectes rien. Il fallait la sortir de la loge, ils sont venus chercher le matériel. Ouais, c'est ça, puis ils lui ont volé ses fringues. Mais écoute, ils sont passés plus tôt que prévu. Tu me dégoûtes. Et il fallait bien la planquer quelque part. Ouais, c'est ça, dans ton lit, j'espère que c'était bien au moins. Mais c'est dingue ça, écoute, si je l'avais pas collée dans ma cabine, tu sais où elle serait à l'heure qu'il est? Elle serait dans les pattes du commandant. Est-ce que tu sais quel âge elle a? Elle pourrait être ta fille. Mais bon Dieu, mais tu vas m'écouter à la fin, je te jure que j'ai pas touché à cette fille. Arrête, c'est fini, Tino. Heureusement que je t'aime plus, parce que sinon j'en serais malade de voir ça. Quand je pense à tout ce que j'étais prête à faire pour toi, mais maintenant c'est terminé, terminé. Elle est persuadée que je saute tout ce qui bouge. Et elle se trompe? Mais merde à la fin, oh! En quoi ça vous regarde, vous, tout ça? Depuis que vous êtes entré dans notre vie, c'est le foutoir. Parce qu'avant, c'était le bonheur. Bonheur? C'était comme entre un homme et une femme au bout de 3 ans de mariage. C'est le délai pour avoir envie de se foutre en l'air. Quoi? J'ai vu votre femme l'autre soir, Tino. Prête à se jeter par-dessus bord. En général, on fait pas ça sans raison. C'est pour ça que je suis entré dans votre vie. Thank you.
passerelle du commandant, s'il vous plaît? Par l'ascenseur à tribord, madame. Laissez-moi! Qu'est-ce qui se passe encore? Foutez-moi la paix, Dora! Allons, mon petit, calmez-vous! Vous aviez raison, cette fille-là, on ne sait pas d'où elle vient. Si ça se trouve, c'est comédie et compagnie, je vais la balancer au commandant. Quoi? Marilyn, vous faites n'importe quoi! Je fais ce que je veux! Oh, Marilyn, je vous en prie, mon petit. Vous n'êtes pas dans votre état normal. C'est si on parlait un peu toutes les deux, hein? Alors vous, la diva du courrier du cœur, ça va. Étant donné le désert de votre vie sentimentale, allez donc prêcher pour votre paroisse. Et arrêtez de m'emmerder tout ce temps que vous êtes! Madame, je peux faire quelque chose pour vous? Non, rien. Avec ou sans glace, le double whisky? Je m'en fous. C'est rien. Vous voulez autre chose? Des cacahuètes. D'accord. Merci. Ah, vous êtes là. Regardez ce que je viens de trouver. Dans le bouquet, en le déplaçant. Ça n'a jamais été un bouquet de mariage, ça m'étonnait aussi de Coralis. C'est un bouquet de rupture, pour Dora. Si ça se trouve, c'est quelqu'un qui devait l'accompagner. Elle vous a rien dit à vous? Non. Elle est tellement secrète aussi, cette femme. D'ailleurs, je me demande comment elle a pu tomber amoureuse de ce guignol. En plus, elle allait l'épouser. Un artiste, un peintre, un branleur, oui. Il s'est bien servi d'elle au dernier moment. Le jour de leur mariage, il l'a larguée. D'ailleurs, si ce jour-là, j'étais pas repassé chez elle pour récupérer une disquette que j'avais oubliée, il n'y avait plus de Dora. Parce que Dora a tenté de se... Ouais. Enfin, je vous ai rien dit. Et en plus, le gros lourd, il lui envoie des fleurs? Le gros lourd, oui. Je veux pas rester là. Pas la nuit. Je veux partir. Ça suffit. J'irai dormir dehors, ça va? Demain, la journée va être dure. Essaye de te reposer. Je suis content, j'ai bien avancé. Mais tant mieux, parce que moi, je passe ma vie à reculer. Bon, l'important, c'est de pas rester immobile. Alors, j'ai déjà pensé à un titre. Qu'est-ce que vous diriez de « Jadis, le parfum de ma vie » ? Croyez pas si bien dire. Il a été mon seul compagnon. Mais l'addition est lourde. Il vous plaît pas, mon titre? Quand je pense que j'ai sacrifié ma vie pour un mélange de roses, de tubéreuses, d'ambre et de jasmin. Il y a de quoi rire. Et maintenant, eh ben, j'irai le chercher avec mon caddie du côté des lessives. Et je m'en fous. Vous n'auriez pas une cigarette? Je fume pas, Dora. Mais vous non plus, qu'est-ce qui vous prend? Il me prend que j'ai envie de changer. Et qu'il faut bien commencer par quelque chose. Soyez gentil. Trouvez-moi une cigarette. Madame Cotenza? Oui. C'est pour vous. Pour moi? Oui. Merci. Bonne journée, madame. Merci.
C'est moi, Marilyn. Et Tino, il est pas là? Il m'a laissé la cabine. Ah bon? Tu sais, il m'a pas touché ton mari. Parce que l'homme qui me touchera, il est pas né. Alors même s'il avait voulu. Tu lui as dit pour le double fond? Ouais. Il pense que ça ira. J'espère. Moi aussi. Bonne nuit. Bonne nuit. Tino, je suis désolée pour tout à l'heure. M'asseoir. Tu veux dîner? Non, merci. Tu sais, pour Zina... Oui, je sais. Je lui ai parlé. Heureusement qu'elle est du genre petit format pour la malle. Tu veux vraiment rien? Non. En fait, quand je suis en colère, je dis toujours n'importe quoi. Oh non, c'est pas toujours n'importe quoi. Tu sais, j'ai bien réfléchi, hein. Marilyn, très important. Excusez-moi. Vous parlez anglais? Bien. Nous allons tourner un clip à New York. Le parfum, vous, l'Empire State Building, ça va être grandiose. Tino, j'ai Ron Garner pour réaliser. Le top. Non, très chiant. S'il ne comprend pas, il devient très caractériel. Mais le top, hein. Bien. Bon. Alors, on en reparle. OK. Je vous trouve un coach. Pour sa convention à Marrakech, il veut un chameau sur scène. J'espère qu'il voudra pas que je sorte de mon chapeau. J'aime bien quand tu ris. Ben moi, je vais y aller. Fais bien attention à toi. J'aime bien quand tu t'inquiètes pour moi. Si vous m'aviez vu à la mairie en train d'attendre avec mon chapeau sur la tête, moi qui n'en mets jamais. Il m'a apporté la guine, ce bibi, avec ses cerises. Dans ces cas-là, on peut pas croire que le monsieur viendra pas. À la limite, on l'imagine mort. Mais qu'il vienne pas, c'est impensable. Eh ben si, ça arrive. Au bout de 2 heures, j'ai conseillé au maire qui était décomposé de rentrer chez lui. Et moi, j'ai appelé un taxi. Quelle horreur. Non, ma chérie, ce qui aurait été horrible, c'est d'épouser cet ostrogoth. Le destin m'a évité une belle bourne. Mais vous l'aimez plus? Si, comme vous aimez encore Tino. Surtout, j'aime mon espoir, mon rêve. Et le bonhomme là-dedans, il passe pas lourd. Dora, pourquoi vous m'en avez jamais parlé? Ah, vous aviez déjà votre fardeau. Oui, mais c'est peut-être moins lourd quand on partage. Oui. Je sais pas. Demander de l'aide. J'ai jamais su. Ah, oh, j'adore cette odeur de sel. Santé, Marilyn. Oui, mais je sais pas votre nez. Je vous apprendrai. J'aimerais avoir votre humilité, Marilyn. Je vous apprendrai. Votre attention, s'il vous plaît. Le débarquement s'effectuera par ordre des lettres apposées sur vos bagages. La vostra attenzione, per cortesia. Il falco si farà delle ordini delle lettere che avete sur les bagages. Je suis ravie d'avoir passé ces quelques jours en votre compagnie. À très bientôt. À très bientôt. On s'embrasse, oui. Allez, je vous embrasse aussi, mon petit Pascal. À bientôt. Au revoir.
plaisir pour nous. Je vous remercie. Pardon. Merci. Madame Cotenza. Oui. Je suis très content. Eh ben tant mieux. Vous voyez que finalement on y est arrivé. Sur 2-3 points, vous m'avez mis dans les cordes, mais... Ah, j'ai encore un excellent jeu de jambes, hein. Laissez-moi vous dire que Jadis sera très bien chez nous. Excusez-moi. Je vous en prie. Les passagers ayant les lettres F, allô? N et P peuvent descendre au niveau du sport. Attendez, je vais vous aider. Je vais vous aider. Voilà. Merci. Vous m'appellerez pour les cours? Ce serait dommage de tout perdre. D'accord. Ah oui, ce serait dommage. J'espère que ça va marcher. On va le savoir très vite. On n'aurait jamais dû la faire, cette croisière. Aussi. Je peux pas le croire, moi, que... Voilà, quoi, toi et moi, c'est fini. Qu'est-ce qui te fait dire que ça pouvait continuer? Je t'ai fait si mal que ça? C'est pas toi, Tino. C'est toi et moi ensemble qui nous ont du mal. Ça colle pas. Enfin, ça colle plus. Ben ouais, mais je t'aime encore, moi. Arrête. Je t'aime, Marilyn. Ça me fait toujours autant d'effet. Mais ça me suffit plus. J'ai changé. Je veux changer, Tino. Je veux me lever le matin et avoir faim toute seule, sans toi. Je veux éclater de rire dans la journée sans que ce soit à cause de toi. Je veux bouger sans suivre. Je veux vivre pour moi. Tu comprends? Ouais. Tu veux redevenir comme quand on s'est rencontrés, quoi. Ah non. Quand on s'est connus, j'avais besoin très fort qu'on me prenne la main. Tu m'as prouvé que je pouvais servir à quelqu'un sur Terre. Tu m'as sorti de ma solitude à tel point que je croyais que je pourrais jamais vivre sans toi. Je me suis accrochée à toi, mais jusqu'à t'étouffer. T'étais devenu mon oxygène sans qui rien n'était possible. Ah non, c'est l'autre, là. Dora, ton oxygène. Ah non, pas du tout. C'est moi, maintenant, mon oxygène. Et ça, je veux plus que ça change. Et le spectacle? Tu feras comme tu faisais avant. C'était bien aussi. Passagers débarquant du bateau Azur, veuillez de se diriger vers la douane. Vous allez voir, Marilyn, tout va bien se passer. Les passagers embarquant sur le bateau Hollywood peuvent monter à bord. Ça n'avance pas. Je comprends pas, d'habitude c'est beaucoup plus rapide. Qu'est-ce qui se passe? C'est la douane. Ils fouillent tous les bagages. Ça y est, on est tombé sur des ailés. Ah, mais il paraît qu'il y a un passager clandestin. J'y vais. Pardon. Excusez-moi. Pardon. C'est bon? Celle-là, s'il vous plaît. Ça, c'est un accessoire de spectacle. C'est assez fragile. Vous l'ouvrez, s'il vous plaît. Bon, vous l'ouvrez. Là. Il y a un double fond, là. Oui. Vous pouvez me le montrer, s'il vous plaît? C'est pas la peine, hein, y a rien dedans. S'il vous plaît. Voilà. C'est bon, vous pouvez y aller. Si. Tout est en règle, maître.
Alors il faut faire fouiller le bateau. Certainement pas sans autorisation. Ne vous inquiétez pas, avec les appuis de mon client, je vais vous la trouver, votre autorisation. Elle est où? Je l'ai faite disparaître. Non, arrête. Allez. Le double fond, c'est bien. Le triple, c'est mieux. Non. Si, j'y ai passé toute la nuit, mais ça a l'air au point.